Salut tout le monde, donc me revoilà sur Animal Crossing, hein. Donc c'est le jour du feu d'artifice, hein. Toujours. Donc on continue la partie. Et je voulais voir le feu d'artifice avec vous, donc on va bien pouvoir voir ce que c'est. Bonsoir monsieur le maire, à Vénus nous sommes le dimanche 4 août 2013 et il est 19h58. Vous voulez commencer la partie? Oui. J'espère que j'arrive pas trop tard quand même. Donc j'ai tout calculé normalement. J'aurais pu même remonter un peu le temps pour être sûr, mais bon. Nous verrons bien. Très bien, tout est prêt. Passez une bonne journée. Dakodak, ma grande. Nous y voilà. Oyez, chers habitants, aujourd'hui vous pourrez admirer les feux d'artifice. Très bien. Énorme. Oh, monsieur le maire. Que pensez-vous de ces feux d'artifice? J'ai préparé un petit quelque chose pour fêter cet événement comme il se doit. Ça vous intéresse? Vous ferez de la concurrence aux feux d'artifice en portant ce joli serre-tête étoile. J'espère que ça vous plaira. Très très bien. Donc je vais porter le serre-tête étoile. Dakodak. Super mignon. Donc on peut voir des feux d'artifice dans le ciel. Ouh, un joli cœur. Ah, ça doit être magnifique en 3D. Eh, salut cousin. Quelle bonne idée de passer te me voir le vieux roux. Et vise un peu ce que j'ai. Du bruit comme une maison. Chaque gâteau contient un ticket. Prix démentiel de 500 cloches unités. J'en veux un. Très bien. Bon alors, gâteau magique. Mange ce gâteau et rapporte-moi le ticket caché à l'intérieur. Je te l'échangerai contre un autre. Mais ne traîne pas, c'est valable que le temps du festival. Le vieux renard est toujours ravi de faire affaire avec toi, mon ami. Très bien. Voyons voir quel genre de surprise il nous cache. Mangez. Il y a un message à l'intérieur, voyons voir ce qu'il dit. Renardise, gagné prix bang. Très intéressant. Voyons voir. Eh, salut cousin, quelle bonne idée de passer me voir le vieux renard. Tiens, tiens, voudrais-tu par hasard me réclamer un lot? Ou bien veux-tu un autre renardise, peut-être, c'est ça? Alors cousin, tu veux quoi? Une autre prédiction d'abord. Merci bien cousin. Alors montre-moi. Mange ce gars. Oh mince. Ah mais non, je lui en ai acheté. D'accord, d'accord, ok. Bon, alors j'ai quand même une prédiction. Salut, cousin. Quelle bonne idée, c'est vrai. Tiens, tiens, voilà, tu vois. Permets-tu d'abord, j'aimerais te montrer ce que j'ai reçu. Un lot. Ça roule, je devrais récupérer ton ticket en échange. Envoie par ici, cousin. Hop, ticket bang. Oui, c'est celui-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous cache le petit renard? Bien, voyons, voyons. Youhou, t'as gagné un ticket bang, félicitations! Attention, attention, je vais maintenant exposer ton lot à ton regard ébahi. Une figurine jouet. Dakodak, on ne la voit même pas. Et voilà, n'hésite pas à revenir tenter ta chance. Oh mince, un moustique qui est venu me piquer. Pas cool. Heureusement que c'était pas une guêpe, ça m'aurait fait des vilains boutons. Donc, mangez. Excellent. Il y a un message à l'intérieur. Voyons ce qu'il dit. Runardis perdu, prix de consolation. Oh l'arnaque! Bon bah voyons voir ce que c'est un prix de consolation. Salut cousin, quel bonnet de passer voir le vieux Runard ici. Tiens, tiens, voudrais-tu par hasard me réclamer un lot? Oui, je veux le lot de consommation, je me suis raté. Ouais. Très bien. Bien, voyons, voyons. Youhou, t'as gagné le... Oh, en fait, non, désolé, t'as rien gagné du tout. Quel bâtard. Allez, oh les cœurs, on t'aurait perdu. T'as quand même le droit à un lot de consolation, un siège magique. Cierge magique? C'est quoi ce truc? Et voilà, n'hésite pas à revenir, tout est ta chance. D'accord, bah on va dire que je vais m'arrêter là pour l'instant, je me sens enroulé. En tout cas, les feux d'artifice sont super beaux, là, je trouve. C'est vraiment magique. Quelle nuit de rêve, quoi. Waouh. Quelle beauté!
voyez ce que je partage avec vous quand même? Non. Bon allez, voyons voir les autres habitants ce qu'ils disent un peu ce soir. Il y aura des trucs énormes à me raconter. Si encore je pouvais les croiser. Salut. Henry. C'est vraiment beau les feux d'artifice. Pas d'ag, Philippe? C'est un de ces trucs que j'ai toujours inventé, que j'aurais pu inventer, Grisouille. Mais bien sûr. Que nous diront nos collègues? Oh, bah tiens, toi tu te casses bientôt, non? Ah, mais je peux plus lui parler vu qu'elle va partir. Ah, quand même. Argue. J'ai la gorge sèche, ça m'apprendra à rester bouche bée tout le long. Je cracherai sur un peu de nectar de banane. De banane. Pour tout dire, Rosa, si tu veux une banane, ma cochonne, bah j'arrive. Je te ramène une banane tout de suite. Hop là. Comme je suis gentil ce soir. Allez, c'est reparti. Énorme ces antennes de mouches là. Ah. L'été devient venu s'il n'y a pas mieux, Rosas. Bah alors, tu l'avais ta banane ou pas? Mais 5 secondes, tu voulais une banane là. Mais ça, je le sais, ça, bon là. Mais cette petite, elle veut quoi? Elle voulait pas du nectar de banane? Elle est nulle. Dakodak, bon bah trouvons quelqu'un d'autre. Un habitant festif. Ah bah, te voilà mon cochon. Waouh, je crois qu'on sous-estime totalement le boulot qu'il y a derrière. Exactement, parce que ça a pas l'air de s'arrêter, hein. C'est pas comme les trucs à Mélan là. Petite référence à Mélan, la place où je vis en France, hein. Waouh, celui-là était énorme. Et j'espère qu'ils vont jamais s'arrêter en plus, hein. Trop top cool quoi. Bon bah écoutez, je voulais juste vous montrer le feu d'artifice, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Hein. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Et bien sûr, on va pouvoir continuer une autre fois. On se quitte sur ce fameux feu d'artifice que j'attendais depuis ce matin. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, salut tout le monde.